Yo, tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le compte hardcore pour le dernier épisode de la saison, déjà le dernier de la saison. Donc demain on va perdre des trophées malheureusement. Donc là à l'heure actuelle on est à 4560. Si on fait 4 victoires dans cet épisode, je pense qu'on peut s'approcher presque des 4 cassettes, je pense. On va ouvrir tranquillement nos coffres. Comme d'habitude, bon je pense on n'aura forcément pas grand chose de très intéressant. On va utiliser en des flèches. Ok, encore du genre. Par contre, on avait pas mal d'argent, donc c'est intéressant. On va récupérer ce petit coffre. Ok, du GR, de l'archer, du géant squelette et du cochon, pourquoi pas. On n'a rien d'autre à récupérer. Bon, malheureusement, j'aurais pas assez joué pour avoir le coffre légendaire, mais bon, c'est pas super dramatique. On va partir avec le Molos en espérant, bah, comme d'habitude, ne pas faire de défaite. Là, on est à 4, ouais, 4560. Si on s'approche des 4 cassettes, je sais pas combien on sera. Là, on reprendrait la saison en 4K2. Presque 4K3, donc bon, ça va encore. Mais le début de saison, ça risque d'être compliqué, surtout que tout le monde va être reset, donc on va tomber contre des gens sûrement un peu meilleurs, on verra bien. Dans tous les cas, c'est le but du compte aussi, hein. Il faut que ça se complique un peu. Donc on affronte du coup Sirius, niveau 9. On affronte Sirius qui joue bourreau. Le bourreau qui va être cheaté, hein, prochaine méta. Lui, il s'est déjà préparé à la prochaine méta. On va mettre le prince en réponse de son bourreau. Ok. Il met un bébé dragon derrière. Beau zap de sa part. On va mettre notre bébé dragon du coup en réponse. Histoire que ça gère un peu. Je peux limite mettre un molosse devant, je pense. Je vais mettre un molosse devant. Voilà, en plus il a foudre. Foudre pour rien du coup. Est-ce que je mets les battes? Ouais, il a utilisé son zap sur le prince tout à l'heure. Ok, belle T2 de sa part. Par contre, le squelette là et le bébé dragon qui vont mettre masse dégâts. Plus les battes en plus. Donc la tour qui va tomber sur ce pêche au canon, il rajoute une tornade. Bon, ça commence à lui coûter cher. Surtout qu'il a déjà pris beaucoup, beaucoup de dégâts sur la tour. On va remettre une tombstone tranquillement. On va se réinstaller, on va pas prendre de risques. On va jouer la temporisation. Je vais repartir du coup prince fond de map, mais cette fois-ci à droite. Il va mettre un bébé dragon. On va essayer de mettre le dragon d'enfer pour vite gérer son bébé dragon. Ok, voilà ce qui est fait. Le prince normand qui trichote le chevalier, non? Ok, non. Qui doit lui mettre 4 coups. Ouais, il va quand même mettre un coup sur la tour, hein. C'est quand même très très fort, hein, le prince. Il n'y a vraiment rien à dire. On va zap ici. Ouais, je voulais zap avant qu'il retire, mais j'ai pas réussi malheureusement. Que je vais repartir au fond de map à droite. J'ai pas envie de viser le 3 couronnes ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je joue safe. Bon, après là, j'ai pas pris la tour de gauche et je peux pas finir BDF. Donc, faudrait quand même que je fasse attention. Je vais repartir prince fond de map. Voilà, on va mettre le bébé dragon derrière. En soi, j'ai même pas envie de zap. Il va sûrement tornade du coup. Est-ce qu'il tornade? Ouais, il tornade. Du coup, moi, quand on va de nouveau pas forcer, juste repartir Molosse fond de map à gauche cette fois-ci. Il va sûrement nous envoyer un petit cochon. Voilà. Par contre, l'envoyer du côté là, je pense que je l'aurais envoyé de l'autre côté. En plus, comme du coup, ça aurait accompagné son bébé dragon parce que là, il laisse son bébé dragon tout seul du coup. Belle foudre de sa part, mais ça suffira pas. Faut que je fasse attention quand même parce qu'il reste que. Il reste pas beaucoup de temps pour aller prendre la tour. Il reste 121 HP. Ok, non, le prince. Ok, le prince qui va faire le taf. Je me suis fait peur un peu, hein. Voilà, c'est ça en fait. Généralement, essayez quand même de vous focus sur une tour, même s'il reste pas énormément de dégâts à mettre. Parce que là, vous avez vu, on a mis du coup masse dégâts à la tour de droite, bien. Mais s'il aurait défendu, et là, il aurait pas pris de dégâts derrière, il met un bon coach au full, il peut prendre la game là-dessus. Bon, ça va, c'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu. On prend un petit plus 30, on va regarder rapidement son profil. Ok, 4567 en record, donc là il est à 4550. Bah, je crois qu'on l'a affronté à 4567. Ouais, il est à son record. On va relancer sans plus attendre. Et du coup, si on gagne ça, on fait les 4K6. Bon, ce qui sera déjà très bien. Ce qui sera déjà très bien. Bon, du coup, on va perdre pas mal de temps, hein, avec le reset des trophées, mais bon. Ok, on va mettre les battes. Ok, je crois que je one shot son zap avec. Enfin, je one shot pardon, son fût avec mon zap. Donc c'est plutôt good. Ok. On va mettre la tombstone comme d'habitude.
commencer à connaître. Du coup, je vais partir me le son de map maintenant. Il joue pas, du coup, il perd pas mal d'Elex là. Dragon de l'enfer pour répondre à ça, c'est pas. Je suis pas content de le voir, mais bon, on va faire avec. Je vais essayer du coup de mettre bébé dragon, le dragon de l'enfer aussi. Oui, il y a beaucoup de troupes entières là. Beaucoup de troupes entières, frérot. Est-ce que je peux BDF, je pense. Hein. En vrai, je vais BDF. Hop, maintenant. Ah non, le bourreau par contre qui vient. Ok. Beau zap de sa part, mais du coup, il y a Dragon d'Enfer qui est encore full life. Là, il doit plus avoir beaucoup d'élixirs pour le gérer. Ouais, la preuve, là, il va perdre la tour là-dessus. Le Dragon d'Enfer qui vient de nous carry, clairement. Il avait fait une bonne défense, il avait clairement fait une bonne défense, mais du coup, il n'a pas géré le Dragon d'Enfer. Et le Dragon d'Enfer full life sur une tour, sans zap, c'est assez compliqué. Je vais remettre des battes. A chaque fois, je vais prendre des dégâts, mais c'est pas dramatique en soi. Je vais mettre la Thompson du coup pour tempo la voleuse. Ok. Je vais repartir mon leçon de map du coup. Ce son d'Argon d'Enfer, dans tous les cas, aurait déjà pris beaucoup trop de dégâts pour qu'il me fasse grand chose. Là, je peux laisser la tour le gérer tranquillement. Si vous voyez des petites bandes lumineuses là derrière moi, c'est juste. Enfin, juste ici là. Là, c'est ma fenêtre. Hein. Volet fermé, certes. En fait, le problème, c'est que du coup, j'ai changé tout de place mon setup, mais en fait, le fond vert est pas assez épais pour. Bref, du coup, la lumière pour le fond vert est trop puissante et on voit à travers. Bon, c'est pas dramatique, je pense pas que ça vous dérangera plus que ça. Juste zap ça quand même. Bon, en plus, j'ai raté mon zap. J'aurais dû même pas zap, j'aurais dû rien faire du tout. Bon. Il a quand même bien défendu notre push là. Je vais repartir quand même le son de map histoire de mettre la pression. Ok, je vais laisser son fût gratter. Là, il aurait mis voleuse en tank, ça m'aurait un peu saoulé. Mais il l'a pas fait dans le bon sens. Quand c'est comme ça, quand vous savez que votre adversaire n'a que zap pour défendre le fût, ou alors un gros sort avec, enfin zap BDF, vous pouvez vous permettre de tank tout le temps le fût. Enfin, c'est limite mieux de tank tout le temps le fût avec une troupe, parce que votre adversaire va toujours galérer à défendre. Alors que si vous mettez un fût pour mettre un fût, bah ça va gratter certes, mais ça fera beaucoup moins de dégâts que si vous mettiez un tank avec. Il a bien géré quand même, il a bien géré, bien joué. Il a quand même bien géré la game, mais rien à dire. Merde, par contre, depuis tout à l'heure, je suis en train d'oublier de mettre les victoires, oh le con. Merde, c'est où? Chut, non, file. Bébé, allez. Merde, je sais plus du tout. Merde, excusez-moi. Je suis perdu. Ok, c'est là. Hop. Parce que j'ai des problèmes PC récemment et du coup, j'ai perdu tous mes paramétrages. Enfin, tous mes paramètres. Du coup, j'ai tout refaire et j'avoue que c'est pas au top. Ok, bon, palier débloqué. On va prendre tranquillement notre petit coffre. Hop là. Bon, rien d'intéressant. Hop, on va fermer. On va aller regarder rapidement ce profil. Je sais que vous aimez bien voir les profils des adversaires. 4592, niveau 9, bon, c'est pas un gros profil. Ok, on a fait les 4600, ça c'est plutôt cool, 4600 trophées. On a atteint la Ligue 3 en vrai, c'est vraiment pas mal. Bon, on n'arrivera pas à faire les 5K, du coup on pourra pas récupérer. Ça aurait été intéressant, mais ça viendra petit à petit. Hein. On va pas. Je vais pas forcer plus que ça, je pense que je vais faire 4 games. J'aurais pu forcer un peu plus, mais. On va pas prendre le risque de faire une défaite bêtement en fait, sachant qu'il va y avoir le reset, on va pouvoir monter tranquillement. Donc bon. Bon, on affronte du coup un niveau 8. Putain, mais là on affronte plus de niveau 12. C'est quand même bizarre parce que à 4K1, on affronte deux niveaux 12. Et là on est à 4K6, on affronte des niveaux 8. Et rien que dans le dernier épisode, on avait affronté 3 niveaux 8 sur 4 games. Parce que quand même, le matchmaking qui est fait bizarrement, on va pas se le cacher. Hein. C'est pas pour critiquer ou je ne sais quoi, mais c'est quand même fait très très bizarrement. Oh, Netflix, excusez-moi. Wesh. Moi je vais BDF là-bas. Est-ce que je prends l'arche magique? Ok, nice. Je vais mettre les battes derrière. C'est un dragon d'enfer qui a fait un très très bon taf là. Ok, ça Valkyrie qui sert à rien. Ah, mais frérot, si je lance contre. C'est vraiment pas ouf. Allez, c'est vraiment pas ouf de tomber contre ce genre de joueur. Oh, j'ai raté mon zap. My bad. C'est quand même, enfin, je comprends pas comment il fait le matchmaking, je vous dis.
Et c'est quoi? C'est une semaine et demie, je crois. Il y a 2 semaines, grand max. On était à 4-15, on affronte des gens niveau 12. Et là, on est à 4-6, on affronte des niveau 8. Je comprends pas. Bon, je préfère affronter des niveau 8, hein. C'est. Clairement, enfin, je suis pas en train de dire oui, je suis pas en train de me plaindre, hein, loin de là, mais c'est pas normal en fait qu'on affronte plus de niveau 8 à 4K6 que de niveau 12. Alors que quand t'es à 4K1, tu rencontres deux niveau 12, enfin, c'est vraiment pas logique. Mais je m'en plains pas, hein, moi justement, au niveau 8. Bon, après, les niveau 8 avec des légendaires niveau 10, certes, mais bon. Bon, les vapeurs, est-ce que je rajoute un prince? Pff, non, j'ai la flemme. J'ai la flemme, les potes. Je flume. Juste mettre des bâtons, on va mettre un molosse devant. On va le laisser espérer un peu. Ok, on va mettre un prince. Et non, je veux pas zap, ça sert à rien. Je vais attendre mon zap ici. Ouh, on a raté un peu. Bon, ça, on a raté qu'un squelette. Ok, hop. Le prince qui va one shot le petit sorcier tranquillement. Ouais, tu rages, frérot, je suis désolé. Mais j'ai peur. Bon, la 158e victoire, du coup. On va bientôt faire les 160 sans défaite, hein. Du coup, on a 4650, on avance, on avance petit à petit, hein. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, on va lancer la dernière, du coup. On va lancer la dernière game. Ok, encore un niveau 9. Bon, on n'aura pas affronté plus que niveau 9 cette fois-ci, on n'aura pas eu de niveau à deux chiffres. Bon, c'est plus. Ça m'arrange, certes, mais je trouve ça quand même assez étrange. Oula. Je pense que je suis le seul à me plaindre à pas affronter de niveau 12. Oula, lui il joue bien. Lui il joue bien. Oula, là, là, là. Va falloir faire attention, les potes. Ça se voit direct que le mec, quand même. Un petit level. Intéressant. Ok. On va se focus un peu. Va falloir la perdre maintenant. Ça va juste mettre Pépédrac, je pense. Ok. Non. Ok, il y a un squelette qui a quand même réussi à tempo. Ok. Oh là là. Sorcier, sorcière. Sorcier et chasseur, j'avoue que c'est pas ouf. Ok, le PDF de notre part là, ça peut quand même gratter pas mal de dégâts. Ok, nice. Bon, malheureusement, c'est pas le baby dragon qui tank. J'ai été un peu long. Mais ça va, on met quand même pas mal de dégâts là-dessus. Putain, c'est plutôt cool. Parce que Sabuche au début en fait me fait dire que en mode tu vois, enfin, les bons joueurs font ça, tu vois, il faut reculer le prince pour que ça connecte sur la tour, il l'a super bien fait en vrai. Il a eu un bon timing de ouf. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était un bon joueur, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il joue plus. What? Frérot, joue! Non, joue! Non! Bah. Pourquoi il joue plus? Frérot. En fait, je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Il avait l'air de bien jouer. Je suis déçu. Bon. Bah, merci frérot, mais je suis un peu déçu. Du coup, les mecs, on va relancer une dernière pour faire les 160. Hashtag, ça reste entre nous. Vous connaissez. Seuls les vrais connaissent. Pour cette série, seuls les vrais connaissent. Ok. Du coup, on va faire les 4700. On va faire les 4700. Du coup, ça sera un bon chiffre de faire les 4 cassettes. Bon, enfin, je parle peut-être un peu trop vite, mais on va faire les 4 cassettes, j'espère. Du coup, comme ça, bon, ça va nous faire un chiffre rond. 159, c'est moche. 160, c'est beau. Il faut la gagner maintenant. Il faut la gagner. On affronte un niveau 10. Voilà, ça, j'avais dit que j'ai toujours pas affronté de niveau à deux chiffres. Bah, il arrive maintenant, le frérot. Pas falloir faire l'idiot. Va falloir quand même gérer bien sa game. Ok. On va s'installer tranquillement avec une tombstone pour l'instant. Je vais mettre un molosse fond de map. Il joue pas. Non, mais les mecs, si vous jouez pas aussi, genre, je vais monter à 7K sans faire de game en fait. Enfin, juste. Je fais comment moi? C'est. Wesh! Les potes, s'il vous plaît! Supercell, trouvez-moi des joueurs qui jouent, quoi. Ah! Merci! Faut parler avec le dieu Supercell. Ok, on va mettre tranquillement le prince. Ah, mais gros, t'as mis un seul méga chevalier, t'as un mollo, c'est. Bref. Bref. Ça va, il joue. Il joue, mais bon, c'est pas. Perd la tour, quoi. Mais il a joué. Ok, il nous reste quand même des roquets, des bats, un pépé drague. Ouais, je pense quand même qu'il va prendre tarif là-dessus. Ah non, il est niveau 10, du coup, ça. Ouh, grosse BDF, hein. Je me moque, mais. Wesh, en même temps. Putain. Aïe, 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 aïe. Bon, on va repartir fond de map tranquillement.
Voilà, c'est quand même dommage parce que, enfin, ce qu'on fait sur le compte hardcore, c'est propre, mais là, ils sont en train d'enlever toute crédibilité à ce que je fais, en fait. Regardez-moi ça. Ils enlèvent toute crédibilité. Oui, imaginez quelqu'un qui découvre le concept, là, il arrive, il fait, bon, ça a l'air intéressant ce concept, il voit ce qu'on est en train de faire. Bah ouais, mais le mec, il a que des free wins. Bah ouais, du coup, le mec, il s'abonne pas, genre, il fait, mais c'est de la merde. Putain. Bon. Bon, après, là, il a bien défendu avec son armée de squelettes. Donc, je les zappe un peu les trucs pour rien aussi, mais. Mais bon. Belle BDF, bon, je vais repartir en push, hein. Je vais repartir en push. Ah, enfin, un truc intelligent. Bon, je sais pas, par contre, s'il y en a qui ont vu un peu l'équilibrage, bon, c'est pas si encore de roi des gens, là, à la fin de la vidéo. Je sais pas s'il y en a qui ont vu un peu l'équilibrage, le bourreau qui va être complètement pété, le pêcheur qui va passer à 3, le prince ténébreux qui énerve, Phantom Rail Cup. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, un peu de l'équilibrage, je lirai ça attentivement. En vrai, moi, je pense que le bourreau va être pété, et c'est tout ce qui va se passer, quoi. Enfin, bref. Du coup, on fait les 4700, on fait la 160e victoire assez facilement, on va pas se le cacher, mais bon. Je suis désolé, j'essaye de relancer pour prendre du risque, hein, pour essayer de monter le plus haut possible, pour faire plaisir. Et malheureusement, on tombe pas non plus contre les meilleurs joueurs du monde, donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc j'espère quand même que vous aurez kiffé. Du coup, on termine la saison à 4709, on sera reset à 4355, bon, ce qui reste pas dégueu, donc vous vous plaignez pas si mercredi on lance un. On lance une vidéo et que dans cette vidéo, bah on est à 4355, c'est complètement normal, c'est la fin de saison, donc on sera reset, et on perdra des trophées, mais on remontera ça tranquillement, et on va s'approcher tranquillement de mon objectif de 200 victoires sans défaite, en espérant croiser les doigts pour réussir à y parvenir. Donc les potes, si cette vidéo vous a plu, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, on est bientôt 24K sur la chaîne, donc merci à vous les potos. Sur ce, je vous fais des bisous, c'est tout Walouf, peace tout le monde.